des masques de tout format, le long des murs et sur des étagères aménagées. Voici le décor que présente la galerie Stéphanie, le tradit contemporain. La sculpture de base avec des supports et outils modernes. La galeriste Dame Haddad a elle-même conçu les œuvres. Je l'ai dessinée, mais à partir d'une inspiration, l'œuvre traditionnelle, les masques, les statuettes, et je les décompose, je recompose, etc. Et je crée des éléments utilitaires. On trouve donc de tout dans cette galerie et le thème pour cette ouverture officielle est l'abat-jour à la lumière duquel a bien pris plaisir à s'asseoir le ministre de la Culture, Maurice Bandaman. L'artiste travaille dans le bois, mais elle n'abat pas le bois. Elle ramasse les bois qui sont déjà tombés et elle leur donne vie. C'est une artiste originale, une artiste de qualité que nous découvrons. Mais pour la galeriste, nul besoin de s'enfermer dans un style stéréotypé. Elle dit compter sur l'appui des artistes de la scène culturelle pour une émergence de l'art tradit contemporain en Côte d'Ivoire.